Bah, si tu veux, mais. Attends, mais t'as envie? Oh là là, le boulet! Ouais, alors, si tu feras gaffe, j'ai collé le piège à toi, ça va être quand tu te prends! Alors! Oh putain, non! Il arrive! C'est pas le moment! Oh putain! Oh putain, c'est pas le moment! La séquence que tu viens de voir s'est passée sur Twitch. Alors si t'as envie de nous rejoindre, bah n'hésite pas. En plus de ça, il y a un planning qui est mis en place toutes les semaines. Et en plus, on est en live tous les jours, sauf le dimanche. Parce qu'après, faut pas déconner, faut quand même dormir. Oh, je m'en souviens. J'avais zappé ça. Petite roulette russe. Allez, on va faire un petit jeu là. Quoi, c'est sympa. Ah bah putain. Vraiment que des jeux théorie. Super gays depuis deux jours. Ouais. Théorie, il faut pas mettre toutes les munitions. On bougera la caméra après la cinématique. T'inquiète pas. On verra après. Gueule. Merci beaucoup. Ta gueule. Pas la cinématique, il y a 5 ta gueule qui débarquent. Ta gueule. Il en reste encore deux. Ouais, je sais. Ta gueule. C'est horrible parce que ça survient pendant une séquence horrible. Ah oui. Hein. Ta gueule. Il y en a vraiment l'impression que tu parles à l'autre là qui fait des bruits en plus. Ah mais il n'y en avait pas qu'une, ok. Mais c'est pour ça qu'il chargeait plusieurs balles en fait. En fait, c'est un FPS le jeu, bon, c'est nickel. Tu te rends compte? Oh la petite. Alors, bienvenue dans Visage, un jeu d'horreur. Merci okay. Beaucoup, Macavli, merci beaucoup pour les 5 subs offerts. Est-ce que, pourquoi la cam vous. Merci beaucoup. Day, merci beaucoup. 300 bits pour te donner du courage, merci. Par contre, j'ai une question. Pourquoi est-ce que vous voulez avoir la cam en haut à gauche ou en haut à droite? Je comprends pas. Est-ce qu'il y a la TH ici? Juste pour savoir. Avant qu'on lance. Parce que là, je veux pas sortir de la pièce tant que vous m'avez pas dit, en fait. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a vraiment un problème? Est-ce que ça va déranger au niveau de son interface ou pas du tout? Parce que moi, je pense pas que ça va déranger. Ok. Donc, est-ce qu'il y a une sauvegarde... manuel ou pas? Il est coupé. La lumière, merde. Mais non, mais elle était. J'ai essayé d'allumer, il y a rien. Il faut qu'on rallume le disjoncteur, je pense. C'est comme en face. J'ai une mauvaise nouvelle. Il y a pas. Quoi? De courant. Comment ça, il y a pas de courant? Il y a pas de. C'est ce que je dis. C'est pour ça qu'il faut rallumer le disjoncteur. Alors il y a pas de courant, c'est-à-dire que là au-dessus, il y a quand même du courant, mais. J'avoue que il y a pas de courant. Attends. T'as essayé de faire clic droit aussi? J'essaie de faire les deux clics en même temps. Là. Ça semble fonctionner correctement. Bah ouais, pourquoi on veut réparer un truc qui fonctionne aussi? Bah oui. Il y a marqué, faites les deux clics pour réparer. Ah oh, le sûrement les propriétaires. Alors. Oui, allô? Allô? Hello, Twain. It's Rose, your neighbor. J'ai entendu des coups de feu. Est-ce que tout va bien? I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? Tu vois, c'est la petite mamie qui quand même surveille dehors, mais qui quand même s'inquiète pour toi. Tu vois, elle est quand même cool. Raccroché. Hop. Oh, on peut interagir avec ça? On a rien. On peut interagir avec tout. J'ai l'impression d'en jouer par contre. Hein. Mais oui, bien évidemment.
Est-ce que je peux voir cette merde? Oh! Ah, ok, faut tirer vers soi. Regarde, vas-y, entraîne-toi. Ça va nous servir. Vas-y, je m'entraîne. Vas-y, on fait des entraînements pour ouvrir des portes. Hein. Allez, vas-y, et vas-y, le pire, c'est que j'arrive pas. Hein. Putain. Pourquoi ça marche pas? À ton avis, je fais des entraînements? Voilà. Non. Allez, tu peux le faire. Allez, comment tu fais? Faut juste tire vers toi. Allez, c'est bien. Ah, en fait, c'est juste la souris, faut pas bouger le perso, c'est ça? Non, non, c'est la souris. Ok, mais le problème de la souris, c'est que moi j'ai une sensibilité très très faible comparé à toi, et du coup je galère à ouvrir des portes. Tu veux augmenter un petit peu? Bon, c'est là qu'on va être complémentaire en soi. Non, mais c'est pas grave, tu ouvriras les portes et je. Regarde, waouh, c'est et beau. Je te regarderai faire. Est-ce que je peux prendre genre les livres et tout? Ah non. Ça aurait été fou. Alors, oh c'est un moche canapé? Quoi, t'aimes pas? C'est pas une couleur que t'aimes bien, c'est du rouge? Alors, Ouais, c'est rouge et blanc, c'est le blanc que t'aimes pas, c'est ça? Non, mais c'est surtout espèce d'orange dégueulasse, rouge, je sais pas quoi là. Je sais pas si cette couleur existe vraiment. Alors. Ça, c'est pas du tout. Ça aussi, ouais, c'est ça, machin. Ça, c'est quelque chose, hein. Hop là. Ça dégage. Alors. Tranquille. Et on va pouvoir trouver des médicaments et tout. Bon, écoute. Pas moyen de l'ouvrir. Bon. Oh, une box! Je peux l'ouvrir? Bien de la merde. Ok. Tu fais toi? Non, 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 allume la santé mentale. Ah ouais, c'est vrai, il y a une histoire santé. Mais attends, mais on n'a pas encore la jauge, c'est bon pour l'instant. Mais ça va nous apprendre, vas-y. On peut pas courir? Ah si, on peut courir. Santé mentale. Santé mentale. Vas-y, je te laisse lire. Allez, c'est parti. Non, vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Non mais vas-y, allez, c'est moi qui ai lu tout hier, vas-y, on change. Ah du coup, je vais tout lire aujourd'hui? Non, je dirais de temps en temps, vas-y. De temps en temps. La santé mentale de votre personnage affectera le gameplay. Entre autres choses, rester trop longtemps dans le noir diminuera la santé mentale de votre personnage. La santé mentale de votre personnage est représentée par l'icône de cerveau en bas à gauche de l'écran. Si vous voyez le cerveau, très nettement, la santé mentale de votre personnage est dangereusement basse. Et des événements dangereux surviendront. Ça va être cool du coup. Ok. Donc, très bien. Il faut qu'on le voit nettement. L'icône de nuage rouge apparaît lorsque vous vous trouvez dans une situation stressante. Et la santé mentale de votre personnage diminuera alors. C'est je sens que ça va être souvent rouge. Oui. Parce que là, voilà, à partir de maintenant, ça commence à être chiant. Après le capteur cardiaque, on a le capteur du cerveau de Kylira. Tu vois, regarde, attends. Ça... Chaque fois qu'elle va stresser, ça va être tout rouge, ça. Oh, putain. Ah, super, elle casse déjà les ampoules. Super, hein. C'est vraiment une journée de merde, hein. J'en peux plus des ampoules, moi. Alors, les événements paranormaux se produisent de manière aléatoire tout au long du jeu. Apprenez à les identifier, car ils entravent votre progression et réduisent considérablement votre santé mentale. La santé mentale de votre personnage affecte également le nombre d'événements paranormaux. Hop. Attends, mais quand ils disent aléatoirement, c'est-à-dire d'une partie à l'autre, ce sera pas pareil? Ben ça, je sais pas, hein, vu que j'ai jamais fini le jeu. Ouais, c'est vrai que je te pose des questions, mais en fait, tu sais pas grand-chose non plus, quoi. Oh, je vais lui mettre un coup de béquille, j'en ai rien à foutre. Oh non, 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 attends. C'est quoi ça? Prendre cet objet, tu vois, ça lance un chapitre, mais je sais pas c'est quoi. Oh, on a lancé quoi? T'es contente d'être, d'avoir un binôme qui peut appuyer quand tu le veux pas? Mais on a lancé quoi là comme chapitre? Attends, mais ça lance pas? Ça a lancé, c'est bon, ça commence. Ok, ok. De oh, rien. Putain, non, mais c'est pas possible! Ors. Oui. Binôme? J'en peux plus. Oh, ça y est. Oh, de Rakan. Rakan. Les yeux rouges. Les yeux omniscients. Ok, putain. Je sors. Allez, ouvre-moi cette merde! Je fais quoi? Non, mais j'ai peur. Putain, tu pouvais pas prendre un chapitre que je connaissais un tout petit peu là? Oh bah, c'est toi qui as pris la béquille en plus. C'est toi qui as dit je prends la béquille, je vais l'ouvrir ou je sais pas quoi là. Attends, je vais me faire engueuler moi. Ça j'ai juste appuyé ça tape, sur ça une tape. Couche. Quoi, ça tape? Ça a tapé. Ah, c'est peut-être moi qui me suis cogné à mon bureau. Il se passe quoi? Quoi, cette merde? Pour moi, il se passe rien. Qu'est-ce que... Mais on est où, là? EMF5, très clairement, hein. Pourquoi on s'assoit là-dessus? Mais j'en sais rien. C'est nous qui sommes chelous, là, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je peux avancer, genre? On est où, là? On est dans Outlast. C'est pour ces moments que je suis content d'avoir le retour. On me dit qu'apparemment le chapitre est super dur, c'est le pire. Je déteste le chapitre. Ah ouais? Ouais. Oh, c'est bien, au moins on commence par le pire. Est-ce que t'es contente que j'appuie? Franchement, pas du tout. Oh, de rien. Ah, c'est un épisode en noir et blanc? Mais non.
Non. T'as vraiment choisi le meilleur chapitre. Mais j'ai rien choisi, c'est toi qui as pris la béquille, t'as voulu. Bah je pouvais la reposer avec... Oui bah tu pouvais aussi ne pas la reposer. Oh bah vas-y t'avances, moi j'avance pas. Allez vas-y. Comment ça? Mais on va pas commencer comme ça déjà. Oh, super, déjà qu'on voyait pas grand chose, mais alors là. J'arrive pas à ouvrir. C'est de tirer pour toi. Oh mais la vue, ça va rester comme ça non, je pendant pense que ça va longtemps. Bouger. Ouais j'espère hein, parce quoi, que. Ça va, c'est juste genre c'est juste une personne qui nous prépare à manger tranquille, on a pas besoin de stresser là en fait. Bonjour. On ouvre bien les deux par portes. Un mur, on passe pas sinon. Oh là là, mais c'est horrible hein la vue. Hein. Pourquoi ils font des jeux comme ça? Ça sent tellement la merde. Bonsoir. Vous allez en fait, bien? En fait, on est en train de suivre ouais, on est en train de suivre un film quoi. Oui, j'ai peur. What the fuck is this? Hein? Oh, voilà. It better not be what I think it is. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, j'espère que c'est pas encore Canal qui a sauté. What the fuck are you? Ok, pour l'instant, tout a l'air d'aller bien. Oh, les céréales! Oui, bah, on peut pas les prendre. Hé, hey, je vois que tu as l'histoire de Raken Courage, c'est la moins pire. Ah ouais? Attends, mais t'as parlé Raken, de céréales, pardon. Mais. Ah, j'ai cru que, pardon, j'ai vu de la bouffe, j'ai vu un. J'ai vu une boîte de céréales, moi. Alors, c'est un radio. Truc de radio, là, en fait. Ok, on est d'accord. Elle va manger partout. C'est le moins pire, celui-là, vous me dites? Je crois que tout le monde a dit que c'était le pire. Hein. Je sais pas, j'arrive plus à savoir, moi. Je sais pas, on voit pas grand-chose par les fenêtres, en tout cas. Je sais même pas s'il fait jour ou nuit, là, du coup. On me dit la santé mentale, mais je la vois même pas, attends, la santé mentale. Attends, je pousse. Ah non, faut tirer, pardon. Ouais, c'est pour ça. On n'était pas d'accord, il y en a un qui tire, l'autre qui pousse. Ah mais c'est là où on était au début ça. Ah mais c'est le flingue. C'est pas le mec qui a tiré sur Non t'inquiète, il m'a l'air sain d'esprit lui. Ouais moi il m'a l'air calme aussi. There you are, little piece of crap. You think you can get me that easily, huh? Nice try, you fucks. What the fuck do you want, huh? I'm right here. On a mis vraiment le pire chapitre là. Oh, tu vas vraiment cliquer sur le pire. Oh ah si, c'est ça. C'est toi qui as pris la béquille. Arrête de me le reprocher. Il fait tout noir. Tu peux allumer la torche. Il faut peut-être faire. Ouais non, faut y aller. Hein. Moi je pense que dans le doute, non, faut aller rien. Vers la lumière. Quelle lumière? Y a pas de lumière. Ouais, c'est vrai. Non, mais il a dû rouvrir une autre porte. Ah, mais la porte en face? Attends, on vient de la porte d'en face? Bah ouais. On va sur le côté. Oh! Quel côté? Là, attends. Là. Faut qu'on aille ah, par j'avais là. Pas vu ça. Oh, pas mal. Ah, mais là, on vient peut-être de là en fait. Non! On vient pas de là. Voilà, okay. On avait été chercher la béquille là. Là, on peut pas y aller. On va aller là, hein. Oh putain! Don't you fucking move, I swear to God! Stop right there! Tu sais que si t'as le réflexe de lâcher le clavier à chaque fois qu'il se passe un truc bah comme c'est ça, pour ça, ça, ça va être justement, compliqué. C'est mon binôme, on va prendre, tu vas prendre la relève. What? Oh, ah oui, mais moi quand tu sursautes, quand tu sursautes, je regarde juste le retour qu'est-ce pour te voir sursauter en fait. Oh là là, qu'est-ce que t'as mis comme chapitre? Ah d'accord. Oh, de la couleur. Oh, ça y est, là, je qu'est-ce reviens. Qu'est-ce que t'as mis comme chapitre? Alors, la béquille. J'ai attends, il y a peut-être un truc par terre. Il a peut-être lâché un truc là où il y avait la VH. Oh. Oh, les sacs, ça suffit. Hein. Hier, on était avec incroyable. Un sac à dos toute la soirée, là. Lâcher un truc où? Bah, va falloir trouver. Non. Santé mentale. Oh, ouais, l'ampoule mais... Prends l'ampoule. Les ampoules peuvent servir à réparer peuvent... des lampes. Ou des lumières cassées. Nice. Oh, bah, c'est pas pour rien s'il y a la télé qui tourne. Qu'est-ce qu'on fout avec une ampoule à la main? Genre de jeu. Mais écoute, ça pourra toujours servir, hein, ils ont dit. Non mais la télé est dans tous les jeux. Hein. Oh putain, j'aurais peut-être dû l'allumer.
C'est bien parce qu'en fait, il y a des interactions, on sait même pas si c'est l'autre qui les fait ou si c'est le jeu qui va, qui va faire des trucs. Ça va être compliqué. Attends, là, il y a un truc. Là. C'est quoi? Une clé. Bien vu. Ah, tape pour voir l'inventaire. Il existe deux types d'objets, les objets dynamiques et les objets clés. Les objets dynamiques sont placés quand c'est possible dans votre inventaire dynamique. Vous pouvez généralement vous en débarrasser. Les objets clés sont essentiels à votre progression et sont placés dans votre inventaire des objets clés. C'était quoi ce bruit? Quel bruit? Arrête, putain! Ah, j'en ai marre. C'est pas toi en plus, putain, pourquoi je dis arrête? Mais non, c'est pas. Je vais me faire engueuler alors. La santé mentale, la santé mentale! Oui, bah regarde là, hop là, à côté de la lumière. Je vais me faire engueuler alors que je fais rien. Attends, on va changer l'ampoule là-haut. Mais non! Bah oui, c'est faux, juste rallumé. Attends, il faut juste rallumer, bah dis-le alors. Mais pourquoi t'as éteint? Mais. Je t'ai dit entre le jeu. Oh là là, putain, on va faire comment là? On finira jamais une heure et demie de bordel. Entre le jeu qui fait des trucs tout seul et le fait qu'on sait pas qui fait quoi aussi, ça va être très compliqué. Hein. Ah. Oh là là. Du coup, le but du jeu, ça va être d'allumer des interrupteurs, c'est ça? Il y a écrit un truc, Oui. C'est écrit quoi? Looking for the garage is probably in your din. Alors, la clé du garage est probablement dans la poche bah, du coup du jean. Laundry room, c'est où? C'est là où tu laves le linge? Oui. C'est quoi, as always, comme d'habitude? Non, c'est quoi? Comme toujours, ouais. Oh là là, t'as vu? J'ai des notions. Hein. Allez. Et hop, okay. Ça part in the pocket. Ah bah. Oh bah écoute, incroyable. Je m'entraîne un peu, hein. Vraiment, t'es la meilleure. Oh là là, merde. Bon bah, je me suis un peu entraînée. Et là, attends, je vais tester. Si je fais table. Vas-y. Oh, bah voilà. Putain, faudra... Moi aussi, on m'explique pas comment on utilise les clés. Oh. Ors, bah tu vas. Santé mentale. Santé mentale. Lumière, allume. Lumière, là je suis dans la lumière. C'est la putain de. Ta gueule. Voilà. À toi. Je fais d'interaction, c'est toi pour moi. Oh, le briquet. Les briquets les servent, de petites sources lumineuses pour explorer la maison. Ils durent peu de temps. Ils n'empêchent pas l'accumulation de stress. Rester dans le noir avec un briquet affectera la santé mentale de votre personnage. Ils servent aussi à allumer des bougies. Eh ben, on va allumer un maximum de bougies. Vas-y, on va allumer des bougies. C'est illimité le truc? Non. Ah bah, encore clé du sous-sol, vas-y, je te laisse faire. Faut la recouper. Là, ça devient chiant le fantôme. Hein. Ouais, on rigole au début, mais après, c'est chiant. Ah, ça marche pas. C'est bon. Cette porte n'est pas verrouillée. Pousse. Oui, bah j'arrive pas à l'ouvrir. Hein. Ah, y'a un truc qui coince. Ah oui, t'y arrives, toi ? Non. C'est qu'il y a un truc derrière. Ok, j'avais l'impression que c'était moi qui n'étais pas doué encore. On doit descendre. Lumière. Oh, mais non. Ok, elle est déjà allumée. Non, mais allez, je. Attends. Comment tu veux qu'on prenne des bougies ? Comme ça, on met une bougie là. Ça éclaire rien du tout, c'est nul. Comment t'allumes ? T'en as Allume ça. Là, je laisse appuyer clic droit. Oh. Petit peu de lumière. Je relaisse appuyer clic droit, du coup, vu qu'on est dans le. Du côté droit. Attends, c'est quel code. C'est allumé ou éteint ça ? J'en sais rien, je vois pas de différence. Non, bah j'avoue, je sais même pas ce qu'on touche. On va même pas être à l'étage, putain. Je serais en mode, il va nous arriver une merde. Oh, les portes, il fait trop compliqué nuit. À utiliser hein, dans le jeu. Attends. Ouais, moi on a clé que dedans. Clé du sous-sol, hein. Eh bah ça continue. Putain, y'a combien de. Une seule et même clé pour trois portes. Ah, ça s'ouvre. Ouais, la map c'est que la maison, ouais. Bah voilà, on y voit là. C'est stylé ici. Ça tape, ça a tapé. Oui, c'est les rats, hein, tu sais. Les vieilles maisons. C'était déjà allumé. Mais oui, putain. Ah, vas-y. Un petit rouge là pour mon bureau, parfait. On va se mettre dans la merde tout seul. Hein. Oh. Ah, c'est porte américaine. La santé mentale, la santé mentale, la santé mentale. Oh putain. Oui, bah tu veux que je fasse quoi là? Viens là. Il y a une lumière là. Bah ouais, mais c'est moyen. Ah, c'est bon, ça descend. Il y a eu un bruit, t'as entendu? Oui, ça a craqué genre à côté de nous. Salle de bain, on peut pas allumer? À gauche, y'a pas de lumière? Voilà. Oh. Oh, on est bien là. C'est dégueulasse. Il a chié dans l'évier ou comment ça se passe sinon parce que putain. Il a inversé le concept là. Je pense hein. Ok. En fait il faudrait qu'on aille là-bas. Est-ce qu'il faut pas déjà qu'on aille à l'étage de chez nous là?
J'avoue qu'il y a plein d'endroits où on n'a pas été. Hein. La maison, elle a l'air assez grande. Il y a quelqu'un là? Ah non, putain, c'est un mannequin. Après, ça grince un peu, hein, donc. Oh là là. Coucou. Je t'ai vu. Ça a eu un bruit de tissu. On peut pas faire un truc sur le mannequin? Je fais quoi avec un mannequin? J'en sais rien, moi. Je. moi, ah, je l'attaque avec un mannequin. Ça alterne les mains, ok. Là, on peut alterner, ok. Oh, par terre, il y a une trappe. Là. Et il y a un symbole étrange dessus. C'est un L? Pas du tout. C'est quoi? C'est un symbole étrange, je dirais. Ouais, symbole étrange aussi. Hein. Je dirais ça. À vue d'ailleurs. Ces mots, il y a constamment un bruit de tissu, là. Oui, mais je dis, c'est les rongeurs. Je dis, regarde, c'est une vieille maison, vraiment, ça... Genre, t'inquiète, t'inquiète. Mais oui. Et là? Bah, c'est toujours la même maison. Hein. Alors. Des clous. Sinon, c'est quoi le but du jeu, déjà? On doit trouver de quoi avancer, là. Dans ce cas-là, on peut remonter. Mais est-ce qu'on a fait ce côté-là? On n'a pas fait. Faut allumer le briquet. On va courir, hein, parce que là... Voilà. Mais on est où? Alors, ok, là on a fait le tour en fait. On est passé par en bas et on a fait le tour ici. Comment tu Donc fais on pour... va retourner là-bas. On voit la meuf qui a peur et le mec qui a pas du tout peur. T'en as une d'un côté là en mode je me souviens plus d'où je suis. Bah en vrai, je suis un peu perdu aussi. Attends, mais c'est comment pour monter? C'est là. Non, je t'avouerais que en fait, moi c'est plus le côté orientation qui va me faire défaut, je pense, sur cette map. Ah ouais? Ah, il y a moyen. Clé de sous-sol, c'est bon là. Alors, clé de sous-sol, par contre, ça se fout pas de notre. Ah, c'était la ah, porte qu'on sait. Bah, c'est qu'on a plus besoin maintenant. C'était pas la porte qui était bloquée, qui donnait sur la cage d'escalier? Y'a moyen, non, ouais. Pas du tout. Pas du tout. On a vraiment un bon sens d'orientation. Attends, mais on est où là du coup? Ah, ça je sais, attends, attends, ça je sais. Ah, on est de l'autre côté. On est de l'autre côté de là où on pouvait pas passer tout à l'heure. Hop là. Oh, on est passé de l'autre côté. Ok, on est trop bien. Vas-y, oui, je vais te laisser faire d'ailleurs parce que là je suis. J'ai trop peur. Ah là là, je sais même pas gérer l'inventaire, putain. Putain, mais comment t'interagis avec ces merdes? Tu cliques gauche. Mais je crois que ceux-là, je sais pas, t'as pas l'air de pouvoir... Ah c'est juste que tu les vises pas. Mais en fait, il faut qu'ils soient vers le haut, hein, les interrupteurs, de toute façon. Si j'ai bien remarqué... Attends, ah, ça va un truc ou... Ouais. De quoi? Oh, mais... Ouais, c'est examiné, ouais, c'est examiné, juste. J'ai trop peur. On est d'accord? Il y a des trucs qui crient là ou c'est chiant? Donc là on vient d'ouvrir le passage ici, ça donnait à la cuisine en fait. Ok. Putain c'est ouais, mais il doit y avoir un intérêt quand même. Hop là. Moi je vais manger quand j'ai... Oh putain! Ah! Mais c'est dégueulasse là-dedans dis donc! Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est sale! C'est pas le lave-vaisselle ça? Mais quoi? On m'aurait menti? Pas comme oh. ça que ça se tue? La vaisselle, il est où? Il y a même pas de la vaisselle. Oh bah je peux tout. Tu veux manger un truc? C'est maintenant. Bah là, vu l'état, je t'avouerais que... ça donne pas trop faim. Ah là non. Laundry room. Ah bah voilà, on avait quoi ici? C'était une note. Interagir. On peut prendre là-dedans. Le linge. C'était le linge, c'est la note... clé. C'était une note pour une clé, si non? Si tu cherches ouais. la clé, ouais. Et c'était la clé du garage. Parce que c'était si tu bah cherches ouais. la clé du garage, elle est ouais, dans ouais, le ouais, machin. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On fait quoi, là? On va pas rentrer là-dedans, quand même. Parce que là, c'est risqué, quand même. Est-ce que c'est bien le moment de faire ça? Coucou, Emery, comment tu vas? Donc, on a bien la clé bah du voilà. garage. Bon, bah maintenant, on peut aller ouvrir toutes les portes du garage qu'on a croisées. Tu te souviens où est-ce qu'elles étaient? Non. Je peux ouvrir Moi cette... Non plus. Oh ah si, je fais toutes les interactions là maintenant, tout de suite, c'est maintenant. Et là, je libère le monstre, en fait. Ah bonjour, vous étiez là depuis le début? Oui, demain, je vais faire des popcorns, si vous voulez. Mais par contre, ce sera Bigfoot, donc le problème, c'est que je vais sursauter comme d'hab, en fait. Bigfoot, popcorn, tu pourras pas vraiment, en fait. Ouais. Oh! Ok!
Ah mais on vient de s'ouvrir pas mal de portes là. Ouais. Je vais me dépêcher un peu. Je suis d'autant plus perdu. Non mais regarde, c'est là. Putain mais ouais, attends, c'est là, j'ai un sens de l'orientation. Celle-là je m'en souvenais puisque c'est là où il y avait le post-it. Oh là là. Puis vraiment elle maîtrise l'ouverture des portes. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'on est des gros galériens quand même. Hein, parce que d'un point de vue extérieur je pense à regarder ça doit être en mode... Il galère vraiment à ouvrir une porte. Et je vous assure c'est pas évident en danger. Je pense que c'est fait exprès pour quand on va se faire poursuivre. Non putain mais moi let's go, moi j'y vais. Hein. Qu'est-ce que je fais? Bah, on est d'accord qu'il y a un truc qui gueule bizarre genre. Vas-y, hein, genre allume et on y va. Hein. Mets le contact. Bah attends, j'ai pas le permis, mais ça doit être normalement... Là, il y a un truc là, je pense qu'il y a un truc là. Par contre, il y a pas de... Il y a pas une sorte de frein à main dans les bagnoles, normalement. Il y a des pédales et tout, normalement. Là, il y a rien. Ouais, mais je pense que... Allez hop, on y va. On met la ceinture. C'est bon, binôme, on y va. Let's go. Faut peut-être juste ouvrir le garage derrière et on est bon. Hein. Tu crois que c'est fini? Non, il y a pas d'interaction possible. Ah, après, est-ce obligé, que ça c'est... Obligé. Ça, c'est... Je crois que c'est pour le chapitre de Dolores. Bien sûr, c'est que c'est en train de rejoindre. Écoute, regarde, vas-y, check. Il y a peut-être un truc que je vois pas. Quelle angoisse! Bon, en tout cas, les amis, j'espère que ça vous plaît le jeu et que vous êtes contents pour le coup. Putain, mais normalement, les clés sont cachées là-haut, là. C'est comme ça, un mauvais jeu. Bien sûr. Comment je sors? Comme ça. Oh, bah d'accord, il prend même pas la peine. À travers la porte. Hein. Ça tape. Mais non, c'est nous qui sommes... on a marché un peu. La santé mentale, la santé mentale. Ouais, j'ai vu. Mais après, au pire, il y aura des événements paranormaux qui vont arriver et tout ça, c'est pas... Mais c'est quoi ce bordel? Il était livreur de journaux ou comment ça se passe? Ah, une canette. Ça m'a l'air santé très mentale, important, on va la garder. Santé mentale. Mais quoi? Je suis dans la lumière. Mais c'est moi ou... C'est bon, ça va mieux. Oh là là, tu hop sais là. Quoi? Mais qu'est-ce qu'on fait avec canette, ta canette? On va le frapper avec? Attends, on derrière, sait jamais. C'est quoi les portes là? Il y a une porte là. Ah oui, bien vu. Alors là, si tu crois qu'on n'a pas la clé du garage. Oh, c'est beau. Oh! D'accord, c'est bon, il y avait les pots de peinture. On y avait déjà été ici. Ok, donc en fait, on est en train d'ouvrir toutes les portes pour avoir des raccourcis. Est-ce que ça va nous aider? Oui. Est-ce qu'on va bien sûr. Non. Parce qu'on va devoir courir. Attends. Non, allume. Mais c'est vrai que c'est... En plus, c'est moi qui t'ai dit quand tu jouais que c'était vers le haut. C'est pas bon, je le redescends. De quoi? Si, pour l'instant, c'est cool. On avance bien, je trouve. Oh, encore, oh, encore un briquet. Alors, je prends la main gauche, toi la main droite. Vas-y. Je n'ai pas peur de vous, démon. Vous allez faire quoi là? Non, mais attends, par contre, j'éteins parce qu'on va tout gasser. Ouais, on sait jamais si c'est pas un. J'arrive pas. Ok. Vas-y, je te laisse faire. Vas-y, hein. Vas-y, fais-toi plaisir. Et donc, on mais là, on a encore déverrouillé un truc. Mais du coup, on est revenu partout, c'est bien, mais maintenant, c'est. Maintenant, il faut aller dans la chambre. On a pas fait tout l'étage. Tout qu'on a ouvert. On a tout ouvert avec cette clé. On a fait aucun étage. Quoi? Les pilules, c'est ça, les pilules. Pour monter la santé. C'est pour descendre la santé mentale. Oui, mais moi, je pouvais pas le deviner. Vous aide à rester sain d'esprit. Ils sont essentiels à votre survie lorsque votre santé mentale est dangereuse, mais en basse. Eux seuls vous permettent de la retrouver. Trop bien. Oh, mais putain, mais y'a rien qui est rangé là avec sa canette. Ah, oh, t'inquiète pas, elle va me servir à un moment donné. Mais tu. Oh. Arrête de me dire allume, y'a rien. Ok, y'a rien. Pourquoi j'arrive pas à allumer le briquet? Ok. Genre y'a rien allumé, c'est déjà. C'est pas allumé, possible, pourquoi y'a un interrupteur là et un là-bas? Pourquoi t'as allumé le deuxième? Oh, la santé mentale. Mais pourquoi? Bah, parce qu'on a juste un briquet en fait là. Attends, pourquoi il n'y a plus de lumière? Pourquoi c'est éteint là? Mais c'est toi qui as éteint là à un moment putain, donné, je suis sûr. En vrai, je pense que c'est juste un truc paranormal hein, qu'il a fait parce qu'on n'a pas appuyé, je crois. Je sais pas. Comment ça après, là, c'est une map POV. Elle est vraiment grande cette maison, je me demande bien combien elle a coûté. Moi, mon rêve, c'est d'avoir une maison, mais pas aussi grande que ça par contre. Je vais me perdre hein. Interrupteur à gauche. Derrière toi. Gauche, l'autre gauche. Mais il est déjà allumé. Mais quoi? Mais c'est pas possible, il fait bien. Mais tu vois bien cette lumière là? Ok, c'est pas du tout celle en plus. Mais oui, mais non. La santé? Oh le. Oh putain. Mais on est bien la santé, on est full là. Il y a le cerveau qui apparaît. Il y a le cerveau qui apparaît. Mais non. Mais si, en bas à gauche. Ah, vite fait. Oh putain. Ouf, ça sent mauvais là. Ouh là là. Attends là.
C'est bon, c'est bon. C'est pour ça en plus on est revenu là. C'est quoi ce jeu de merde okay. là? Faut fouiller toute la baraque à la recherche de quoi là? C'est quoi ce jeu où il faut juste allumer attends. Les... Mais attends, la santé, la santé, radio la santé. Il se colle à une ampoule. Mais oui. Tu veux que je fasse quoi? Tiens, vas-y. J'ai peur. Ah, j'avoue qu'il y a une porte là aussi. Là aussi. En fait, il y a des endroits partout où on n'a pas été. Oh là là. C'est tellement lent pour s'ouvrir. Tu te dis à chaque fois qu'il va y avoir un truc. En fait, là, on a fait le tour, là. La salle de bain, voilà. Oh putain, c'est quoi cet œil? Interagir. La porte est verrouillée, l'œil dessus semble en vie. Bah, crève-le. C'est quoi cette merde? S'il faut, c'est ça le chapitre à la con. Fais un duel de regard. Prendre. Ok, mais en tout cas c'est ça qui fait du bruit, donc je pense que c'est ouais c'est l'endroit où on va devoir aller au moment. Attends, regarde le cadre. Bien vu ça. Oh. Mais elle est observatrice. T'as vu ça? Oh là là, mais quel binôme. Incroyable. Ouais, bah le binôme il est en train de se chier dessus par contre. Trop fort le binôme. Chute là. Mais ta gueule. Oh, mais c'est là-dessus, on peut se rasseoir pour finir. Ah ça recommence. En fait, il y a un gros... œil énorme sur une porte, on a fait toutes les salles sauf celle-là. Oui, bah. Bah, après, on découvre au moins. Au moins, on découvre. Mais du coup, ça a servi à quoi tout le tour qu'on a fait en fait? Je sais pas, mais parce qu'il va y avoir des items à récup, je pense. Ah bon? Il y a un truc qui est tombé là quand même. J'ai peur qu'il y ait un truc qui rampe. Non, il casse un mur. Là, il y a clairement quelque chose en tout cas. Mais qu'est-ce que c'est? Prépare-toi à courir, hein. Moi, j'ai pas les mains sur le clavier. Hein. Non, non, moi, je cours pas. C'est toi le pro, hein. Je ne vois plus rien. Courez. Mais où? Où vous pouvez. Par contre, putain, j'achèterai pas une baraque comme ça, je te le dis. Hein. Quoi? Bon, oh, ça se retape, hein. Yes, sorry, I'm with you. Dr. Smith? I have the information you requested concerning the case that came in tonight. He claims that someone broke into his house and tried to strangle him, and that he used his firearm in an attempt to defend himself. What's weird is that there's nothing in the police report that indicates any break-in. There are some minor bruises on his body, but they all seem self-inflicted. The police also interrogated the neighbor who called the police. She claims to have seen him tossing books from his bookshelves frantically, seemingly searching for something. Oh putain, vive la voisine! It's hard to tell. He refuses to answer most of our questions, claiming we already know the answers. He believes we're partly responsible for what happened. It's not really surprising. Ce titre, ils sont éclatés au sol. I took a look at his medical background. He's had really bad cases of scopophobia. Exactly. Scopophobia. C'est quoi cette merde? Tripophobie, oui, mais. Je pensais que tu connaîtrais justement tout ce qui est phobie en théorie. T'es plutôt calé, toi. Oh. On va être dans un asile? Thanks, Tim. Duly noted. Alors toi, je comprends, mais moi. Oh putain, bienvenue dans Outlast. Tu vois, je t'avais dit qu'on le ferait Outlast au bout d'un moment. Bon bah c'est cool. On a fini le chapitre, ça y est? Bah ça y est, on a fini. Allez, on peut enchaîner. Oh. Sauvegarde en cours. Nice. Super. Donc ça va, y a pas de sauvegarde manuelle en fait, j'ai une connerie. Tant mieux. Non mais c'est ce que tu m'avais dit hein, déjà je crois. Non non, je pensais qu'il y avait une salle de sauvegarde. En fait c'est bon. Ah oui, ça ouais. Ah, emergency, bah là peut-être maintenant, non? Attends mais on a plus rien en objet? Bah okay, non, on est spectateur vraiment, là. Comment ça, spectateur? Bah là, je pense qu'on va être spectateur. Ah. On peut pas se défendre, on peut rien faire, je pense. Ah, c'est vrai qu'avec un briquet, on pouvait se défendre. Hein. C'est le mec qui voit une pièce qui tombe, par contre, il met les briquet dans l'œil. Ah, c'est bizarre, ce compte. C'est nous ou pas? Attends, je vais te dire ça. Nous, 306. Non, c'est pas nous. 323, faut qu'on aille à 323. Ouais, 323. Ou à exit. Ah, 300. Bah non, c'est pas du tout ici. Je crois non, pas. Mais il y a marqué exit. Ouais, faut qu'on aille à 323. Attends. Psychiatrie. On va la trouver, hein. 323. 308. 308. Ouais, enfin, s'ils mettent deux fois la même aussi, ça va être compliqué, hein. 300.
Je pense c'est à l'étage en fait. Il y avait marqué staircase, donc il doit falloir prendre l'escalier pour aller à l'étage. Les 320, ça doit être l'étage du coup. C'est peut-être le deuxième, tu sais. Il y avait marqué, attends, c'était où staircase? C'est là-bas que j'ai vu. Regarde là, staircase. Donc l'escalier, il est là-bas. Oui, ça correspondrait à exit. Staircase, tu vois, c'est exit. Il y a quelqu'un à droite là, non? La porte. Oh putain, il y a des bruits bizarres. Ah bah ok. Vas-y, non, on non, va voir. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien, c'est sûr. Ah, mais voilà, il y a la clé. Dans la pièce. Mais qui... du coup, là. Ah, peut-être. Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a exit au même endroit que staircase, c'est au cas où on n'arriverait pas à trouver qu'il faut qu'on monte en fait. Ils nous ont montré l'exit, je pense. Et boum. Oh, c'est tellement la meilleure. Oh là là, merci binôme. Ah, par contre, c'est pour la 323, c'est pas pour. Attends, on va voir. T'es sûr que c'est à l'étage du coup? Non, bah non. Mais attends, je. Est-ce que là, c'est bien une cage d'escalier? On descend là, non? Ah, c'est possible, ouais. Continue, on continue, les sons. Ouais, on va continuer. 311. Attends, il y avait j'avoue. Double porte à... après. Je sais pas si. Attends, après ou. Enfin. Avant, pardon. Bon, c'est bon, on a trouvé. 323. Vas-y. Cross. Putain, vite, vite. Non, mais putain, vite. Fuck. C'est bon, vas-y. Ah, en fait, on revit. Non? Bah ouais, parce qu'en fait, j'ai entendu les sons, c'est là, mais. J'ai l'impression. Dans la petite pièce. Vas-y. Là. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bah. C'est incroyable. J'ai cru que c'était le bougie, pourtant. Ouais, on va rater dans le garage. Alors, c'est oh, pas du tout ce qu'elle a vu. Mais du coup, ça nous sauve. Vas-y, tends le bras. Vas-y, j'y vais. Hein. Vous pourriez probablement casser le mur avec le bon outil. Oh, trop bien ce jeu, ça y est, je commence à aimer. Ah, t'as vu, c'est pas mal, hein. La démolition. Rentre, il faut le bon outil. Là-dedans, là. Un balai. Ouais, je sais pas, y'a pas un... C'est les rats, les rongeurs. Tu sais, souvent dans les asiles... Y'a pas mal de... Ah ! Oh putain ! Let's go ! Attends, bah vas-y, hein, balance ça contre le mur et c'est réglé, hein. Mais moi j'aimerais bien. Tiens. Une porte qui s'ouvre. J'ai peur. Ça cligne. Ça faisait longtemps. Non, vas-y. Psychiatrique. Elle psychiatrique. J'ai peur. Ça y est, tu peux y aller. Ouais, mais tu t'es arrêté là en fait. Ok, j'ai compris. Ça marche derrière nous aussi. Bah oui, on est d'accord. Interagir. Putain. À gauche. La caméra, c'est. Enfin, c'est quoi ce bruit de merde? On l'avait pas enlevé? Ah, c'est la lumière qui fait ça? Bah dis donc. Changer l'ampoule là, parce qu'il y a un problème. Il nous faut un outil. En vrai, ça m'étonne de devoir revenir autant derrière, alors à moins qu'on ait loupé un truc. Faut suivre les respirations. On dirait que c'est à droite, le bordel, là. Fleur. Qu'est-ce qu'on fout ici, déjà, de base, hein? On va pas se fouiller tout l'asile, là, quand même. Y'a du bruit, à droite. Allons vers les bruits. C'est vraiment le meilleur truc à faire, en soi. Ouais, je pense aussi, hein. Oh putain. S'il y a du bruit, c'est qu'il y a de la vie. Exit. Non mais. Quoi? Je t'aide. Oh. Oula. Ah. Je croyais qu'il y avait quelqu'un en face, j'ai eu trop peur. Je sais pas où il faut qu'on aille. Attends. Par là? Ah! Putain, mais moi je vais toujours là où faut pas. Ouais, mais pleure, ouais, on l'a eu juste avant quand je suis venu là aussi. Bah tiens, ah ouais, c'est juste que. C'est pas moi qui ouvre. Pas été assez loin. My baby, j'ai entendu. Voilà, je suis désolée, hein, je mets mes mains. À droite? Oh putain. C'est où? Dans la première à droite, ouais. Trop bien. Oh là là, mais arrêtez là, la tête de moi, putain. Bon bah tu peux retourner au mur hein, du coup. C'est où? Ouais, c'est là à droite. Ouais, c'est par là. C'est pas là? C'est en si, face. C'est par là. Oui, c'est en face, tout droit. Tout droit, à droite. À gauche, tout droit. Tout droit. À gauche. À gauche. Non mais tu crois que va pas être là? Il y a personne en fait, on est tout seul hein, dans l'asile. Ça a pleuré.
Bah oui, mais c'est nous qui sommes un peu fous, c'est tout. C'est nous qui pleurons, c'est tout, hein. C'est si on est ici, c'est pas pour rien, hein. Là, on est sur un mauvais trip et c'est tout. T'as raison. Il va y avoir quelqu'un qui va nous regarder. Mais pourquoi il met autant de temps? Pète ça, là! Qu'est-ce qu'il me fout? Non mais, tout ça pour ça, en fait, tu mets un gros coup de pied dedans, moi je te l'éclate, le truc, hein. Non mais... Désolé, mais l'allure, il a pas l'air de très bien tenir, quoi, mais bon. Tu mets un gros coup de pied dedans, je peux te dire, c'est bon, hein, tu fais un way out, hein. Eh, c'est bon, tu peux passer. Oh, je vais me faire rattraper. Mais regarde, en mode, peut-être qu'ils m'ont pas entendu. Je pense qu'à ce moment-là, tu te poses plus la question, en fait, hein. J'avoue que t'es plus en mode discret, là. T'es plus en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Meeting room, 3F. Ok, on a le chemin, du coup, vas-y, tu peux ressortir. La musique, donc, elle sur est pas ta bonne. Droite... Attention, le jeu n'a pas pu effectuer la sauvegarde automatique, sauvegarder manuellement au besoin. Je peux pas. Oh, est-ce que c'est fait exprès? Réessaye. Je peux pas. Oh, est-ce que c'est fait exprès? Ou pas? Est-ce que depuis quand les jeux te préviennent qu'ils n'ont pas pu faire une sauvegarde? C'est pourtant angoissé. Attention, vous allez arriver dans une zone très difficile et nous n'avons pas pu sauvegarder. Non, c'est pas bon ça. Je te sens très stressé là. Ouais, est-ce que par mes mouvements tu comprends? Par tes non-mouvements surtout, je comprends qu'il y a un souci. J'ai peur. Il faut retourner dans l'allée principale où il y avait les guides. Vas-y. Bon, vas-y, donne. C'est pas le même. Ah d'accord, ok, je viens de comprendre. Putain, c'est où 3F? Justement, c'est ici où il y a le truc marqué. 3F. Meeting room, ok, c'est là-bas, c'est en face. Tu vois, c'est ici où il y avait le panneau, par contre, meeting. Il y a un mec qui me court après, je pense. Hein. Oui, mais il faut que je sache où je vais quand même. C'est là, c'est ici. À gauche, la porte de gauche. C'est celle-là. Putain! Allez vous faire foutre. Oh, oh, il a le bien ou... Bon, heureusement que je savais à peu près où on devait aller par contre de la bonne coup. Tu vois, moi je serais morte, hein. Moi j'aurais été morte très vite, hein. Le seul truc que j'ai à peu près retenu, heureusement, c'était le bon, parce que là on était foutus. Trop fort, sérieux. Voilà. Moi si ça avait été moi, ça aurait été... Mais qu'est-ce que tu fais? Moi je sais pas. Attends, moi je prends ça. J'y vais. Ouais, vas-y. Eh, d'un coup je te sens un peu plus sereine là, en mode ça y est, le plus dur est passé là. Ouais, mais c'est un peu... Il y a la confiance là qui revient. Tu peux sauvegarder là ou pas en manuel du coup? Non. Toujours pas, hein. Tu crois que c'était fait exprès ou pas? Je sais pas. Mais je pense que c'est bon, je pense que c'était la seule poursuite pour l'instant. Peut-être pas. Non, vas-y toi. Non mais bouge là, mais... Mais quoi, mais bouge, mais j'ai peur, tu comprends pas quoi, putain, non j'ai peur. Bah je comprends que si on se fait suivre... Tu devrais probablement prendre la clé et la lampe de poche. Ce qu'il y a devant là, vas-y. Je comprends que si tu t'arrêtes, on est foutu quoi, c'est tout. Vous devez trouver une clé étiquette L de transit. Mais on l'a, c'est celle-là, non? Putain. Essaye. Je panique, hein. Hop, c'est pas ça? Non, pas moins de l'ouvrir. C'est quoi cette clé qu'on a examinée? Bah, c'est pas écrit transit? Bah si. L de transit, 2. Ah, c'est la 2. Est-ce qu'il faut... Attends, peut-être sur la table, il y a... Se coller. Déjà, on peut pas... Par contre, la lampe, c'est trop cool, hein. Ça fait peur! De quoi? Il y a une sauvegarde en toi quand vous êtes rentré dans la pièce, ok. Nice. Non, ça m'étonne. Non, mais attends, c'est peut-être sur l'une des tables encore. Non, on a déjà eu une clé qui s'appelle pareil, mais avec un 2, je trouve ça bizarre quand même. Ah, ou alors, si ça c'est une aile, ça veut dire qu'il faut aller à l'autre aile. Ça veut dire que ce serait là-bas. Attends, je vais essayer quand même une dernière fois de la clé par acquis de conscience. Cette porte n'est pas verrouillée. Putain, mais on est con. Pas moins. Mais elle est coincée en fait. C'est juste pour nous faire comprendre que. Attends. Ok, bah c'est pas par ici là. Quoi. Super, en fait on peut plus rien ouvrir. Est-ce que j'ai bien compris? Mais. C'est quoi cette merde? Y'a pas une clé là? Et du coup faut retourner avec l'autre là? Moi je retournerai pas avec l'autre, hors de question. De nos vivants? Jamais! Bah ça va, c'est... Bah ouais, mais si on nous dit qu'il y a eu de la sève, c'est bon. Pas moins de l'ouvrir, oh, c'est dommage. Ok, mais en fait, on peut ouvrir quoi dans l'histoire, là? Il nous reste quoi comme possibilité? Non, mais en fait... Déjà... Pourquoi il y a autant de bordel ici, là? C'est pas possible.
Si on peut pas interagir. On peut pas booster la table, mais genre. Mais oui, justement. Il y a des roulettes en plus là, dessus, genre. Attends. Mais. Moi, ce qui m'étonne, c'est quoi cette merde? Ouais. Non, mais moi, ce qui m'étonne, c'est que. Je pense qu'ils ont voulu décomposer un cadavre au-dessus. Bah, c'est pas, surtout qu'il a marché après, suite à ça. Oui, surtout qu'il y a des empreintes derrière, genre. Ça, je regarde s'il y a pas un truc ici. Mais en fait, quand on a appuyé sur la porte, c'est pour exit, ils nous ont dit prenez d'abord la torche et la clé. C'est ça que je trouve bizarre, genre pourquoi déplacer, c'est quoi déplacer là? Je comprends pas. Plafond, on dit. Il y a un truc qui coule. Bah oui, je sais les gars, j'ai regardé mais je le regarde peut-être mal le plafond. Qu'est-ce que je fais? Je pisse au plafond? Qu'est-ce que je dois faire en fait? Je comprends pas. Il y a clairement un problème de plomberie là. Je peux regarder comme ça longtemps. Hein. Coucou Or, c'est vachement fort par rapport à toi. Ah bah oui, non mais je sais, hein, je suis une grosse merde, écoutez. Écoutez, au plaisir. Non mais en vrai, moi genre, l'œil tout à l'heure, je l'avais pas du tout vu, c'est toi qui a ouvert le truc. La bougie qui s'est transformée en mur cassé, c'est toi qui l'as vu. Moi je vois rien en fait. On est juste complémentaires, hein, lui. Bouger la table. Moi, bah ouais, mais moi je sais juste, courir tout droit quand je suis poursuivi en fait. J'arrive à ne pas m'arrêter. Toi t'arrives à pas paniquer en fait. Déjà tu paniques pas de base donc tu peux t'échapper hyper vite. Alors que moi vu que je panique, bah mon cerveau il sait plus quoi faire. Bon par contre là ça me fait chier. Qu'est-ce que ça peut être? On peut aider, oui, vous pouvez aider, avec plaisir. Quelle est l'information? La table a pas bougé? Vous trouvez que la table a bougé? La table elle a bougé? Quoi? La table a bougé apparemment. Ah. Oui, mais c'est bougé tous les deux la vue, du coup je t'ai perdu. Ah oui? Mais oui? Bah non? Je sais pas. Oh putain. Voilà. Ok, ça pour ça. Bien, c'est ce que je t'ai demandé d'essayer juste avant. Merci, hein. Vraiment. Bon binôme. Ah, mais vu que je suis habituée aux interactions. Non, j'avoue que le jeu, pour le coup, bah en fait, t'as beaucoup trop de touches différentes en fait pour faire les mêmes actions, genre. Pas forcément le plus intuitif à ce niveau-là, quoi. Je te préviens, si jamais on se refait poursuivre, je lâche le clavier, je te laisse courir. Quoi? Quoi? Tu veux que je cours? Bah d'ailleurs, oui, on va où, là? Exit? Mais exit, c'est... Bon, on se casse, hein. Et je vais où? Mais il faut aller où, en fait? Là, je comprends pas. Parce que là, c'est là où on vient, en fait, on est revenu, non? Bah ouais, mais c'est là où il est, en fait, qu'on doit sortir, non? Il nous a enfermé et notre but c'est à droite. Ah mais attends, la clé, tu crois que c'est là-bas? Genre elle existe de là-bas qu'on avait vu tout à l'heure? Clé. C'est là, là? C'est verrouillé. Ah non. Faut trouver notre clé. Oh là là, il nous court après. Je crois. C'est quoi le nom? La clé? Normalement c'est l'aile 2, non? Je sais pas quoi. C'est l'aile, je sais pas quoi qu'on a. Exit, 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 ça doit être ça. Allez. Oh, oh yes. Oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah oh, bah là, vu tous les exit, on peut sortir, c'est bon, on est tranquille. Bon, on est... Vas-y, vas-y, on s'en bat les couilles, on y va. Attends. Oh merde. Attends, merde. J'ai comme un léger doute. Mais le vert déjà. Alors tu préfères quoi Michel entre la sauter? Et moi franchement je prends la rambarde à gauche, hein. Pas toi? De toute façon... Oh putain. Bah alors ça va? Ah bah. Bon bah on va y aller, hein. Ah bah là je crois qu'on est un peu mort, hein. Ok. Oh, on est dans quelle pièce là pour le coup? C'est le salon? Avec la télé? Mais on passe tellement d'un truc à l'autre par contre dans ce jeu là. Ouais, je comprends plus rien mais...